j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment muscler notre dos lorsqu'on n'a pas de matériel. Et je vous avoue quand même que c'est la partie la plus difficile à travailler lorsqu'on n'a aucun matériel. Mais vous allez voir qu'avec un brin d'imagination, c'est tout à fait possible de travailler notre dos. Et donc, pour ça, dans cette vidéo, on va avoir besoin d'un balai, d'une lessive, comme ceci. Je ne fais pas de la pub pour Ariel, hein, vous inquiétez pas. Et puis après, pour ceux qui peuvent, une table. Bon, je te dis une table, mais moi je vais faire ça sur un plan de travail. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est une table qui va te permettre de te mettre à plat ventre comme ceci, et ensuite à te mettre en dessous comme ceci. En tout cas, ne t'inquiète pas, tu pourras mettre sur pause avant de commencer cette série qu'on va faire par la suite. Pour l'instant, on commence par une série relativement simple que vraiment tout le monde peut faire. Et vous allez voir que cette série simple n'est pas si simple que ça. En tout cas, je vous assure que vous allez sentir vraiment l'ensemble de votre dos. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va prendre notre balai avec nous, on va le mettre à côté parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc j'ai enlevé mon t-shirt pour que vous puissiez bien voir le dos qui travaille. Alors, on se place sur le ventre, les mains comme ceci, et on va venir monter déjà, dans un premier temps, le haut du corps. On y va, c'est parti. Allez, et 1, on souffle bien. Et 2, j'inspire dans les descentes. Et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je pose. On lève les jambes. Et 1, et 2, et 3, et 4, on s'ouvre à monter. 5, on inspire dans la descente. 6, 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, serrez bien les fesses, les pointes de pied tendues, toute série gainées. 6, 7, 8, 9 et 10, on pose. Maintenant, on fait les deux. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9 et 10, on tient. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on pose, on relâche. Ok, on souffle. On va refaire ça encore deux fois. Allez, on récupère. Pensez à bien souffler. Moi, je compte en même temps. C'est un petit peu compliqué à inspirer, expirer, compter, mais j'essaie de faire au mieux, ok? Mais vous, concentrez-vous aussi sur votre inspire et expire. Allez, on repart sur notre haut du corps. C'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, et 9, et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, je pose. Allez, on part sur le bas. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on tient. Donc là, on bosse vraiment bien le bas du dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, les deux. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, maximum d'amplitude, et 9, et 10, on tient. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche. Là, ça doit commencer à chauffer dans le bas du dos, hein. ça bosse bien. On récupère, il nous restera une dernière série. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et on y va sur le haut. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, allez, c'est bien, on tient. 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche le bas. Et 1, et 2, et 3, et 4,
et 5, tout est bien gainé, hein. 6, 7, et 8, et 9, les jambes sont tendues, hein. Et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, je pose. Allez, les deux, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, maximum d'amplitude. Allez, 6, et 7, allez, c'est bien. 8, 9, et 10, on tient. 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Donc là, on va prendre notre balai. Et ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est qu'on va venir faire un tirage ici pour fixer nos omoplates et travailler notre haut du dos. Allez. Donc, le bâton, je le prends à peu près, on va dire, un tout petit peu plus large que mes épaules ici. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir lever et on va venir tirer ici. Et je tire, je ramène au niveau de ma poitrine. Ok? Donc ça, on va faire 10 répétitions et on va répéter ça 3 fois. Allez, c'est parti, on y va. Essayez de bien serrer les poings et de fixer vos omoplates à chaque fois qu'on ramène donc notre balai sur la poitrine. On y va. On lève et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10, on tient. 1, on fixe. 2, 3, 4, fixé. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Aucun relâche. Très important, serrez vos poings et allez fixer vos omoplates à chaque fois pour bien ressentir le haut du dos. Super important. En même temps, on travaille aussi sur le bas. Donc là, on a quand même un travail qui est assez complémentaire. Allez, on récupère. Allez, c'est parti, je reprends le bâton ici et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on tire. 1, 2, on fixe les omoplates. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, on récupère. Il nous reste une dernière série. Là, on doit vraiment bien sentir le travail au niveau du dos. Hein. Très important. Allez, continuez comme ça, c'est parfait. Allez, 5 secondes et on reprend. Allez. On est prêt. Go, c'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. 4, 5, 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on tient. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Et là, on sent bien. Là, franchement, on sent vraiment bien le dos. Donc normalement, vous avez dû le sentir comme moi, on a fait quand même un gros travail au niveau de nos fixateurs d'omoplates ici, hein. Notre haut du dos, on l'a vraiment bien travaillé, et ainsi que notre bas du dos. On a fait vraiment un travail complet à ce niveau-là. Donc déjà, si vous faites ce travail régulièrement, vous allez pouvoir entretenir et muscler votre dos. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc on va avoir besoin de notre Ariel. Et vous savez pourquoi j'aime bien cette petite lessive? Parce qu'on peut faire ça. Et ça, je trouve ça super cool. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un tirage bûcheron. Donc, on va venir se positionner comme ceci. Donc là, par exemple, moi, je suis sur mon canapé. Je suis relativement bien positionné. Si dans un premier temps, vous n'avez pas de canapé ou vous n'avez rien et que vous voulez suivre dès maintenant, je vous invite à rester dans cette position avec le dos bien droit, comme ceci. Donc là, je suis fixe. Je ne veux pas que l'épaule tombe ici, ok? Donc, je pars ici et on va venir tirer le coude comme ceci, en gardant le coude le plus collé au corps. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, on va aller jusqu'à 15, 7,
8, soufflez, inspirez. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on fait l'autre côté. Donc là, je vais faire comme si on n'avait pas de support. Donc je me mets ici, le dos bien droit et on y va. Mon épaule ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, donc forcément, pour moi c'est relativement léger. Peut-être que pour vous aussi. Donc je le fais justement pour entretenir mon haut du dos. Je sais que je ne vais pas développer forcément mon dos avec ce type d'exercice, mais ça me permet pour moi de l'entretenir. Donc ça, je trouve ça super important. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire, je peux vous dire que vous allez travailler. Allez, c'est reparti, on part sur notre deuxième série. Par contre, je ne laisse pas beaucoup de temps de récup étant donné que c'est assez léger. On y va. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. 7 et 8. Allez, 9, pensez à respirer. Moi je compte en même temps, c'est un peu compliqué. 12, 13, 14 et 15. Ok, on repasse de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc je me positionne ici, je fixe mon épaule et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, et on récupère. Allez, que 10 secondes et on repart directement. Allez, récupérer. Allez, je refais la série sans support pour vous montrer pour ceux qui en ont pas. Allez, on y va. Et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va maximum d'amplitude, 11, allez, 12, 13, 14 et 15, ok, allez, dernière série de l'autre côté, on se repositionne, je me place, je fixe mon épaule et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez c'est bien, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, ok. Là pareil, hein, si vous allez dans des amplitudes maximales et que vous essayez de bien solliciter votre dos à chaque fois, on doit sentir cette sollicitation musculaire, hein, c'est très important. Allez, pour finir cette vidéo, il nous reste deux exercices qu'on va réaliser trois fois. Donc là, je suis sur mon fameux plan de travail, hein, j'espère que vous avez trouvé une table, hein, et si c'est pas le cas, tu peux mettre sur pause et après tu reprendras la vidéo. Donc on va venir faire des levées au niveau des jambes. Donc je me positionne sur le ventre au niveau de ma table, hein. Assurez-vous quand même qu'elle soit assez solide pour pas qu'elle pète, hein. Donc je suis comme ceci et là on va venir faire des levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ok. Une fois que c'est fini, on passe directement en dessous de la table. Donc attention, là, notre prise va être limitée, on va être sur les doigts. Hein. Pour ceux qui font de l'escalade, ça va être facile. Et donc on va venir monter ici. Donc soit je me mets jambes fléchies comme ceci, soit je me mets jambes tendues, ok. Je vous montre jambes fléchies. Je suis ici, j'inspire et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9,
et 10. Ok. Donc on est quand même limité au niveau de la prise. Ça, c'est un petit peu, on va dire, le bémol de cet exercice. Il faudrait qu'on arrive à avoir une barre. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Allez, on récupère. On va refaire ça encore deux fois. Allez, soufflez bien. On marche. Allez, on se repositionne. Donc pensez vraiment à serrer les fesses, serrer les jambes. Tout est tonique. Hein. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se repositionne en bas. Plus moi j'ai les mains qui sont un peu moites, donc je glisse un peu. C'est pour ça que je reprends des fois la table pour me sécuriser. Ok, donc je vais le faire vraiment comme ceci, hein, avec les jambes fléchies. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, et 10. On sent quand même bien. On récupère. Il nous restera une dernière série. Ok. Pensez bien à respirer, pensez bien à souffler. Là, je relâche un petit peu les bras. Ça fait du bien. Allez, on repart, dernière série. Allez, on se positionne. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient. 1, 2. Imaginez que la table est plus large. Hein. Vous pouvez prendre sur les côtés. Hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Allez, les amis, on lâche rien. Dernière série. Allez, on se repositionne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, et 10. Ok, fini. Ouais les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et comme vous avez vu, hein, on a pu solliciter notre dos et tout ça sans matériel. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir et puis c'est comme ça que tu peux me remercier. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis, continue à t'entraîner, c'est super important. Ciao les amis.